Commissariat de Manhattan Beach. Procès-verbal numéro 006799. Officier de police, inspecteur Jane Hogg. Date 12 août 1983. Plaignant, Madame Judy Ann Johnson. Objet de la plainte, Madame Johnson s'est présentée au commissariat de police aux environs de 10h30 avec son fils Malcolm, âgé de 2 ans et demi, et a déclaré que celui-ci avait été victime de sévices sexuels. L'inspecteur Hogg a procédé à l'interrogatoire de la mère et de l'enfant. Madame Johnson affirme que le viol a eu lieu dans une école privée de Manhattan Beach. Son fils aurait désigné Charles Raymond Bucquet. Le suspect sort tranquillement du parking du campus. Il passe devant un groupe d'enfants, une douzaine, âgés de 6 à 8 ans. Le suspect s'arrête et regarde les enfants jouer. Le suspect est seul et ne parle à personne. Et voici notre équipe de l'info. Du désert jusqu'à l'océan, jusqu'en Californie du Sud, bonsoir. Dans notre journal de ce soir, une affaire que d'aucuns décrivent comme étant l'une des plus monstrueuses et choquantes, impliquant de très jeunes enfants. Notre envoyé spécial sur place, Wen Sadz, va nous exposer les faits en exclusivité pour notre chaîne. Wen. Des révélations surprenantes ont été faites par une soixantaine d'enfants qui, pour la majorité d'entre eux, ont tout juste 2 ans. On leur avait à tous demandé de garder un terrible secret. On leur avait dit de ne pas répéter qu'ils avaient été violés. Et on les avait obligés à figurer dans des films pornographiques. Les enfants fréquentaient tous le jardin d'enfants en Martinique. Rappelle-moi que ça sera fini. Ce qui rend leur déclaration d'autant plus stupéfiante, c'est que la propriétaire de cet établissement, Virginia McMartin, est une femme de 76 ans, éminemment respectée de ses concitoyens. Cette vidéo amateur a été filmée il y a peu de temps à la chambre de commerce lorsque le maire a remis à Virginia McMartin pour son travail au Sénat. Installe-toi là, chérie, écoute. Pour moi, rien ne saurait me donner autant de joie que le sourire et l'amour d'un petit enfant. Pardonnez-moi, mais je deviens intarissable quand il s'agit de ce que j'aime le plus au monde, les enfants. Pourtant, l'année dernière, Judy Ann Johnson, la mère d'un des enfants qui fréquentait son établissement, a constaté que son petit garçon, Malcolm, âgé de 2 ans et demi, avait des marques rouges sur les fesses et faisait des cauchemars. Elle a accusé le petit-fils de Virginia McMartin, Raymond Bucquet, 35 ans, que l'on voit ici participer à la parade d'Halloween. Ray Bucquet. La police de Manhattan Beach a envoyé un questionnaire type à tous les parents concernés pour qu'ils interrogent leurs enfants afin de déterminer d'éventuels cas de sodomie, de caresses buccales. Il n'y a rien de plus dégueulasse que ça. Et devinez qui leur avocat a demandé de reprendre l'affaire. Danny, tu ne vas pas défendre ces gens ? Tous les enfants ont répondu qu'on ne leur avait rien fait de tel. Jusqu'à ce que le district attorney conduise les enfants chez cette psychologue de renom, spécialiste des enfants victimes de sévices sexuels, Kim McFarlane, de l'Institut international pour l'enfance. Elle a déjà réussi à extirper à des centaines d'enfants un secret trop lourd à porter pour d'aussi jeunes êtres, et ce grâce à des séances de thérapie basées sur le jeu qu'elle filme en vidéo. Il ne faut surtout pas mésestimer la peur irrépressible qu'un adulte peut inspirer à un enfant. Cela fait plus de 13 ans que je fais ce travail et je n'avais encore jamais reçu pareille confidence. Cela dépasse l'entendement. À l'école, on a mutilé des animaux sous les yeux de ces enfants et on les a menacés de faire subir le même sort à leurs parents. À leur place, est-ce que vous auriez parlé ? Et finalement, est-ce que tu te rends compte du nombre de gens qui regardent ça ? Demain, tout le pays va en parler. J'utilise des poupées. Tu m'étonnes, c'est l'affaire du siècle. Ainsi, ils ne croient plus que leurs parents sont menacés parce que ce sont les poupées qui racontent toute l'histoire à leur place. Mademoiselle McFarlane. Oh, il y a des semaines qu'on est sur l'affaire et ça me donne toujours la chair de poule. Oui. Vous avez pensé un peu aux parents ? C'est un horrible sentiment de culpabilité qui doit les tenailler. Ils leur avaient confié leurs enfants à ces monstres. Physiquement et moralement. Une telle affaire vous rend fier d'être procureur. Cependant, à l'indignation de nombreux parents, Ray Bucquet est toujours en liberté. Kelly, c'est d'accord, je vais assurer sa défense. Tu es complètement cinglé d'avoir accepté, et tu es encore tout trempé. Mais c'est normal que j'accepte. On a balancé des pierres dans les fenêtres de leur avocat, alors il a la trouille. Chanel 7 l'a pas non plus épargné. Le fait qu'il l'ait cité ne va pas arranger ses affaires. T'as envie qu'il se fasse lyncher ? Tu as entendu ce que ces gens ont fait à d'innocents enfants ? Un client est un client.
Ouvrez ! Police ! Ouvrez-nous ! Police ! Où est votre fils, madame ? Des trouvailles, des poupées à poils, une cape. Il y en a d'autres comme ça. Regardez ce qu'il y a d'écrit dessus. C'est d'un goût. Sois mon bébé. Une cape noire, ouais. C'est marrant. Et ça ? Intéressant. Elles sont toutes à poil. Maître Davis, police de Manhattan Beach. Nous venons d'appréhender votre client. Merci. Désolé. Au revoir. Pourquoi t'es là? Fais voir ta feuille d'écrou. Ta feuille d'écrou, le papier rose qui t'ont filé à l'entrée, fais voir. Passe-la à travers les barreaux. Allez, allez, donne. Et qu'est-ce que tu fous? Allez, donne, mène-toi. Donne, donne, allez. Ouais, c'est ça. Maintenant, allonge le bras. Allonge le bras, donne-moi ça. Oh, putain. Ouah, mec. 56-288C. Ouah, il est accusé d'attentat à la pudeur sur 56 mômes, l'enfoiré. La mec dont ils ont parlé aux infos, Ray Buquet, c'est toi? C'est toi? Ray Buquet, Mac Martin, c'est toi? Oh oui, c'est lui, les mecs. C'est le violeur d'enfants. Il a violé 56 gamins. Ouvrez la cellule! Amène-toi! T'aurais jamais dû faire ça, mon petit père! On n'aime pas les fouteurs de merde ici! On n'aime pas du tout ça! Vos gueules! Oubliez-la! Monsieur. Ah, ouf. Oh. Merci. Félicitations, ils vous ont mis dans la section réservée aux célébrités. Ils vous ont peut-être même donné la cellule de Sean Penn. Danny Davis, votre nouvel avocat. Kelly a craqué, il a jeté l'éponge. Merci, merci, messieurs, vous pouvez vous en aller. Le spectacle est terminé. Entretien client, défenseur, fermez la porte. Vous en faites pas. Je suis le meilleur, j'ai encore jamais laissé quelqu'un moisir en tôle. Et vous laissez-moi respirer, s'il vous plaît. Allez. C'est de la dynamite, votre histoire. Alors, vous ne parlez à personne. À personne, compris? Vous ne dites pas que vous êtes coupable, ni que vous êtes innocent. Vous gardez le silence. Pourquoi suis-je ici? Je n'ai rien fait de mal. Roi, félicitations, vous serez le premier innocent que je défendrai. Personne dans ma famille n'a jamais été arrêté. Elles vont devenir folles. Ah bah ça... D'où est-ce que vous sortez ces lunettes? Vous avez l'air d'un violeur d'enfant avec ça. Balancez-les ou alors le procès ne va pas faire long feu. C'est une affaire à rebondissement. Non seulement Ray Buquet est retenu en garde à vue, mais maintenant, voilà qu'on arrête sa mère, une femme de 57 ans. Miss Peggy, comme l'appellent les enfants. Reculez, s'il vous plaît. La police a aussi procédé à l'arrestation de la petite fille de Virginia McMartin et sœur de Ray Buquet, Peggy Ann Buquet, elle-même institutrice au collège Kennedy de Newport. Vos mains derrière le dos, madame. Vous êtes vraiment obligé de faire ça devant les enfants? Ont également été arrêtés Betty Redor, 62 ans, institutrice, non. Alors qu'elle rentrait d'une promenade en compagnie de sa petite fille. Passez d'abord les épaules. Mary Ann Jackson, 60 ans, mère de famille, c'est incroyable. Et grand-mère de 5 petits-enfants. Je n'ai rien fait! Babette Stickler, mère de 2 enfants. Elle a travaillé autrefois dans un centre pour enfants victimes de viol.
Et encore plus incroyable, le grand jury a également inculpé la propriétaire de l'école McMartin, âgée de 76 ans, Virginia McMartin. Mais arrêtez, éteignez-moi ces projecteurs. Bonjour, Danny Davis. C'est moi qui vais vous représenter au tribunal. Que fait-on ici? Pourquoi la police nous a arrêtés? Vous avez toutes les deux été inculpées par le grand jury et la police était dans son droit. Et n'a fait que se conformer à la loi. Les parents semblent avoir fait pression sur lui. Et ces journalistes, pour qui est-ce qu'ils se prennent? Il y en a un qui m'a mis sa caméra en plein sur le nez. Wainsat, c'est un peu la grosse tête, mais en général, il fait un bon journal. Mais tous ces gens ne savent donc pas que les enfants aiment inventer des histoires? Une enquête récente a démontré que le viol ne fait pas partie de leur imaginaire. Ce sont des foutaises! Eh bien, tout le monde le croit et le procureur croit que cette affaire lui vaudra sa réaction. Mais regardez-nous, est-ce qu'on a l'air de violeurs d'enfants? Il y a des criminels qui ont un visage d'ange. J'ai besoin d'une procuration sur vos biens. Votre caution ainsi que celle de votre petite fille a été fixée à 50 000 dollars. Vous voulez ma maison et mon école. Celle de votre fille à 350 000 dollars. Et celle de votre petit-fils Raymond Bequet à 1 million de dollars. Elle a conduit un bus scolaire pendant des années pour pouvoir acheter l'école. Tous les voisins la considèrent comme une sainte. Aux yeux de ses voisins, Jeanne d'Arc passait pour une sainte et ils l'ont quand même brûlée. Et signez ici, sous la croix, s'il vous plaît. En tant qu'avocat, vous pourriez peut-être obtenir un fauteuil roulant à ma grand-mère. Où est-ce qu'ils ont bien pu mettre ma fille? Écoutez, je ne vous connais pas, je ne sais strictement rien de vous. Si vous voulez moisir en prison, alors ne signez pas. Et si vous voulez être libéré, alors s'il vous plaît, signez là où je vous ai indiqué. Les contacts physiques sont interdits. Merci. Je vais voir ce que je peux faire pour votre fauteuil. Au revoir. Tu as vu le sondage? Ça me vient en tête. Quoi, ça t'étonne, le viol d'enfant, le pire des crimes? De bref, le follet, hein. J'arrête pas de vous courir après. Est-ce que nous pouvons envisager de baisser la caution de McMartin? Hein? Écoutez, mes clients ne représentent aucun danger pour la communauté, alors soyez sympas. Enfin, c'est pas comme si on avait affaire à une bande de mafieux. Stevens, ces gens ont tout juste écopé d'une prune pour stationnement illicite. Ces gens, comme vous dites, sont des monstres, Monsieur Davis. Vous croyez sincèrement que les enfants auraient pu inventer de tels faits? Ça ne m'étonne pas que ce soit vous qui ayez repris cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à court de trafiquants de drogue? Écoutez-moi, j'aime autant vous prévenir. Je me sens tout particulièrement concernée par cette affaire. Maintenant, allez voir ailleurs si j'y suis. Je vais vous dire, cette affaire vous tient à cœur exactement pour les mêmes raisons que moi. Parce que c'est de la dynamite. Les médias vont s'en emparer. Ils vont se jeter dessus comme... Vous êtes un opportuniste de la pire espèce. Vous vous servez de ces enfants uniquement pour servir vos intérêts. Ils méritent mieux que ça et je veillerai à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Vous oubliez une chose. Qu'est-ce que vous faites de la présomption d'innocence? Espèce de salope. SDL Apple Studio, Avenue sur le terrain, ça y est, nous avons la maison. J'ai l'impression qu'on sera encore là à Noël. Ah ouais, je m'y trompe rarement. Si le choc a pu arriver. Stupéfaction et incrédulité sont les deux maîtres mots aujourd'hui à Manhattan Beach. Il est d'ailleurs impossible de dire si personne n'est remarqué quoi que ce soit pour ça de la plus grande chance de réguler la plupart de leurs élèves. Chasse pour terroriser les enfants. Le procureur Neil Robbins a déclaré qu'elle procéderait actuellement à de nouvelles auditions. Pour les parents, c'est un véritable cauchemar. Imaginez leur détresse en apprenant qu'ils avaient confié leurs enfants à des gens qui leur avaient fait subir par exemple. Le pire, c'est qu'on a eu des dossiers de Il faut qu'ils arrivent à oublier ce sentiment d'être des victimes qu'ont réussi à leur inculquer leur bourreau. Il faut qu'ils se sentent capables d'assumer cette situation et de prendre leur vie en main. Coupez. Comment j'ai été? Parfait, c'était même mieux que la dernière fois. Les voilà. Virginia McMartin, libérée sous caution il y a 15 jours, vient de faire son entrée en compagnie de sa petite fille Peggy Anne Bequet. Le bureau du procureur a révélé les crimes commis à l'encontre des enfants comme étant la préoccupation numéro 1 des électeurs au prochain district. Nous aurons à répondre d'attentats à la pudeur, de viol, de sodomie, de caresses buccales et génitales. Sauvez nos enfants! Voulons la justice pour nos enfants! Justice! Bonjour Lisa, ça va les enfants? J'ai honte pour vous, Monsieur Davis.
Vous voyez ça? Eh bien, je ne vous veux pas. Où est-ce qu'on se met? Vous êtes en train de dégager une place pour le fauteuil. Où ça? Où on va la mettre? Bonjour. Vous voyez, par là-bas, devant. Normalement, on devrait être ressorti dans une heure, rassurez-vous. Par ici, venez par ici. Débrouillez-vous pour faire relâcher mon frère. Vous voulez banquer $1 million? Chaque chose en son temps. Asseyez-vous par ici. Ça ira? Voilà le topo, je vais expliquer 2-3 petites choses au juge, simple formalité, ça ne prendra que quelques minutes, et ensuite vous pourrez rentrer chez vous, d'accord? Ils sont parfaits, y a pas à dire, ils ont tout à fait la tête de l'empereur. Regarde la vieille. Mesdames, messieurs, la cour. La 100e chambre de la Cour supérieure de l'État de Californie, présidée par le juge Ronald George, va siéger. Mademoiselle Robin. Votre honneur, le ministère public rejette la demande de remise en liberté des accusés. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il refuse de nous relâcher. La caution a déjà été fixée. Il s'est produit des faits nouveaux. Des faits nouveaux. Quels faits nouveaux? Il s'avère que les parents ont reçu des menaces de la part des accusés. Ils ont juré de les tuer s'ils venaient témoigner. Si nous les libérons, nous mettrons la sécurité publique en danger. Où est la preuve de ces allégations? J'ai les dépositions des parents et de leurs enfants. J'aimerais interroger ces enfants afin de vérifier tout cela. Votre tour viendra. Poursuivez, mademoiselle Robin. Il ne fait pas de doute que l'école maternelle McMartin servait de couverture à un vaste réseau de prostitution enfantine. Merci. Merci, votre honneur. J'aimerais commencer par Peggy Ann Bucquet, la sœur de Raymond Bucquet, la fille de Peggy Bucquet et la petite-fille de Virginia McMartin. Cette jeune fille a reçu la bourse Higgins qui récompense le meilleur parmi les instituteurs stagiaires de l'année. Refuser d'accorder la liberté sous caution à cette jeune fille... Bientôt cette fille sera vierge. Un criminel endurci aux pires assassins, vous estimez que des allégations de viol à l'encontre de centaines d'enfants sont moins préjudiciables que, disons, le meurtre d'un individu? Mais ce ne sont rien de plus que des allégations, votre honneur. J'ai lu le compte-rendu de l'enquête effectuée par le grand jury et je considère qu'il a parfaitement démontré le bien-fondé de ces allégations. Refuser la mise en liberté de mademoiselle Bucquet, cela ferait... beaucoup plus réagir les médias que de créer un précédent. Je n'entre pas dans de telles considérations, monsieur Davis. Je pense que s'il y a une affaire où le refus de mise en liberté serait totalement justifié, c'est bien celle-là. Oui, votre honneur, mais... Par conséquent, dans l'intérêt public, je refuse la mise en liberté de Raymond Bucquet. Je refuse également la mise en liberté de Babette Spidler, de Betty Rader, de Peggy Ann Bucquet et de Peggy Bucquet. Votre honneur, je vous demande... Non. Je vous demande de reconsidérer... Vous aviez promis que vous nous sortiriez de là. Pourquoi ils nous gardent? Je ne sais pas. Et mes enfants? S'il vous plaît, soyez gentil, on est là. Peggy, je vous promets, je vous promets qu'on n'en restera pas là. Venez vite. Monsieur Davis. Pourquoi fuyez-vous comme ça? Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais que vous affirmiez devant les téléspectateurs que vous croyez à l'innocence de vos clients. Voyez comment ils vont plaider? Je pense que ça sera non coupable. C'est tout. Coupé. Félicitations. Vous venez de vous déballonner devant 5 millions de personnes. Espèce d'enculé. Merci.
J'ai à mes côtés un homme qui a été incarcéré deux jours dans la même cellule que le protagoniste principal. Qu'est-ce que tu regardes? Incroyable histoire de viol d'enfants de tous les temps. Oh, joli tatouage. Et cet homme, quoi, El Sanjay? Que vous a dit Raymond Bequet? Quand j'étais avec lui, Ray m'a dit qu'il pénétrait les enfants avec de la vaseline pour éviter de les blesser. Où est-ce que Wayne Sapp trouve tous ces gens? Là où il va chercher tous ces tuyaux. Avec les enfants. Chez le procureur. Dans la classe, elle apprenait aux enfants comment faire des caresses buccales aux hommes. Dans une saloperie de bouche d'égout. Là pour la même chose que lui, histoire de le tester. Cette histoire sent mauvais, tu devrais abandonner l'affaire. J'ai 5 enfants, et je suis moi-même grand-père. Moi, je veux bien, si c'est pas vrai, alors que ma sœur voulait faire la classe dans notre école et enseigner aux enfants des pratiques sexuelles. Il faut que je sache la vérité, tu dois absolument tout me dire. Vous avez vu ma sœur? Comment est-ce qu'on peut l'accuser d'avoir fait ça? Tu dois tout me dire, tu comprends? Tu dois absolument tout me dire parce qu'au tribunal, je n'ai pas l'intention de rester là gentiment à me branler en attendant le témoin de dernière heure. Je veux tout savoir. Je vous ai déjà dit, et je le maintiens, qu'il n'y aura aucune surprise de dernière heure. Les gens qui vont te juger ne sont pas des étudiants qui vont te faire passer un bizutage. Il y aura de tout petits enfants à la barre qui vont raconter leurs souffrances. Et il faut que tu sois prêt. On ne peut pas être prêt pour ça. J'ai par toi et par ta sœur et ta mère et ta grand-mère. Je ne vais pas mentir tout de même. Bon, c'est bon, ça va. Pourquoi un jeune homme comme toi bosse dans une maternelle? J'adore les enfants. Il ne faut jamais répondre à cette question. Maintenant, Monsieur Bequet, veuillez dire à la cour qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans une école maternelle. Je voulais aider ma grand-mère. Non, Ray, voyons réfléchir. Elle est pas loin de la plage. Non, Ray, tu peux faire mieux que ça. Continue. J'ai abandonné mes études, il fallait que je trouve du travail. Ah, c'est mieux, ça, c'est mieux. C'est tartignol, mais c'est mieux. Tu sais que certains parents ont dit que tu ne mettais jamais de slip à l'école, c'est vrai, ça? C'est vrai, j'aime pas mettre de slip quand je me mets en short. Oui, alors les enfants peuvent voir ta queue qui pendouille. Non, j'ai que des bermudas très longs. Quoi, parce que ça ne pendouille pas sous un bermuda? C'est une ville balnéaire. Enfin quoi, c'est un crime d'être non, en short. Non, mais ça suffit pour que le jury te condamne, ça pourrait bien te valoir 100 ans de tôle. Maintenant, parle-moi de tes relations avec les femmes. Allez, et combien de femmes t'as couché, hein? Donne-moi un chiffre rond. 20, 40, 60, je sais pas moi. Il y en a eu une. Non, et quoi, tu veux ma photo? Une quoi? Une femme. Attends, là, t'as quel âge? T'as 25 ans? Et t'as baisé qu'avec une seule femme? Oui, une seule. Ça aussi, c'est un crime. Quand on est accusé de viol sur mineur, tout ce qu'on peut faire est un crime. Tu es pédé, c'est ça? T'aimes non. Qu'on te fasse mordre l'oreille? Non. Mais ça nous a tous traversé l'esprit un jour ou l'autre, alors dis-le-moi à moi. Très bien. J'ai un cadeau pour toi, Ray. Je m'appelle Ray Bequet, je n'ai rien à dire... Je n'entends rien. Et puis, il faut arrêter de grincer des dents. Ça fait grincer celle du jury. Y a qu'à regarder la tête de Bucket. On ne pourrait vraiment pas aller plus vite. C'est pas le moment de traîner. Il faut pas se laisser déborder sur cette affaire. Je suis en train de pointer des noms qu'on a trouvés dans les agendas de Virginia. Sur 10 ans, on devrait pouvoir en tirer quelque chose. Que donne les cassettes? On est en train de les passer au crible. Plus ça va, plus on découvre des trucs. Il y a plus de 1000 heures d'enregistrement. Cette chair qui s'en occupe. Il y a combien de temps qu'on n'a rien avalé de solide? On commande chez le grec ou chez le chinois? Ouais, bonne idée. Et il y a aussi les photos porno. Elles doivent bien être quelque part. Faites-moi une liste des labos de développement. Oh, et dites au FBI d'enquêter du côté de la filière scandinave. J'ai là la copie d'une lettre. Judy Johnson, la première plaignante. Enfin, Glenn, on a des centaines de mômes qui portent des accusations. On les a tous dûment interrogés et ils sont un peu plus crédibles. Oui. Merci. Les magasins animaliers, il faut voir ça de près. Ils tuaient sans arrêt des animaux, il fallait bien qu'ils s'approvisionnent. Faudrait peut-être que vous jetiez un œil à cette lettre pour en savoir plus sur Madame Johnson. Et en juger par ce qu'elle écrit, elle a l'air plutôt fragile et je suis poli. Après ce qu'elle a vécu, ce n'est pas étonnant. Je me demande si la défense a eu cette lettre. Pourquoi l'aurait-elle eu? Voyez aussi les labos pour les animaux. Bien. Bonjour. Tu es sûrement Malcolm. Madame Johnson? Glenn Stevens, du bureau du procureur. Je dois vous aider à établir votre témoignage. J'aimerais également m'entretenir avec votre fils. Il a déjà eu assez de problèmes comme ça. Malcolm, rentre tout de suite.
Vous savez, il faudra que je lui parle, tôt ou tard. Après tout, ce sont vos accusations qui ont lancé toute l'affaire. Votre fils est notre témoin numéro un. Madame Johnson? La police enquête dans plusieurs écoles privées pour voir si elles n'ont pas de lien avec les parents ont retiré leurs enfants de la maternelle Icorie. La garderie du Little Angels a dû fermer ses portes une fois que les parents ont demandé au maire. Les enquêteurs ont demandé aux parents qui avaient des enfants dans cette maternelle si toutefois ils ne s'étaient pas aperçus que leurs enfants avaient fait plusieurs comportements. La police a reçu les plaintes de 16 parents et enfants. Le shérif Block a déclaré qu'il estimait à plus de 1200 le nombre d'enfants impliqués dans un réseau pornographique. Nous exigeons de voir les dépositions détenues par le bureau du procureur et les rapports de police. Et si vous refusez de nous les montrer, alors on fera notre enquête nous-mêmes. Pas tant que je serai chef de la police, monsieur. À chaque minute, une plainte est déposée concernant des abus sexuels sur les enfants. Vous avez juste jamais pas grave, fermez tout ça, vous êtes dévoyé par d'autres écoles dans le coup. Je ne suis pas convaincu que les preuves soient suffisantes. Mais des preuves, il y en a des gens avec une grande prudence. Ou des innocents pourraient en pâtir. La voilà, cette espèce de salope. Ouh. Les enfants, c'est sacré, faut pas les toucher. Tu vas voir, on va bien payer ce que tu leur as fait. Sale pute. Oh, crève. Ils vont me tuer. Peggy, 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 essayez de vous calmer. Vous voulez bien, d'accord? Voyons, personne ne va vous tuer. Parce que ça peut être... On ne s'imagine pas que de telles choses puissent vous arriver. Il a fallu que j'aille à l'infirmerie pour mon traitement. Et elles m'ont mis les menottes derrière mon dos. Elles ont dit des choses horribles. Elles ont dit qu'elles me feraient du mal. Je ne comprends pas qu'il vous ait mis avec les autres prisonnières. Nous allons obtenir votre transfert. Ça, je vous le promets. Oh, vous avez l'air gentil, vous, au moins. Qui êtes-vous? Dean Gitz, chère madame. Rappelez-vous, le juge George m'a téléphoné pour me demander de vous représenter. Quel âge est-ce que vous avez? On dirait que vous sortez tout juste de l'école. 39 ans. Vous êtes bien trop jeune. Il a fallu pas moins de 5 équipes de pompiers pour éteindre l'incendie qui a ravagé cette nuit l'école Matt Martin de Manhattan Beach. Le feu s'est déclaré aux environs de 3h30 du matin et a été rapidement maîtrisé. Les locaux étaient vides et personne n'a été blessé. La police soupçonne un incendie volontaire et se demande si cela ne serait pas lié à l'affaire de viol qui bouleverse actuellement circulez, la ville. Circulez. Faites gaffe où vous mettez les pieds. C'est le deuxième en 2 mois. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Amène ça par ici. Avire-moi ce bout de bois. Attention de ne pas vous couper. Allez, circulez. Allez, circulez, là. Attention. Attention à la flaque. Oh, les fenêtres sont hyper grandes. On voit au travers. On est dans une rue passante et on voit tout par les fenêtres. Ouais, on peut tout voir. Il y a des rideaux? J'en vois aucun. Vous pensez que c'est eux? À votre avis? Quand j'ai lu à Peggy la liste des chefs d'accusation, elle m'a demandé ce que c'était exactement un godemiché. Pour les autres, idem. Elles sont toutes mères, grand-mères, et chrétiennes scientistes, que des amantes de stationnement. Et d'un autre côté, il y a ces gamins qui racontent qu'on les a violés, sodomisés, filmés dans un but pornographique. J'en sais rien. Difficile d'imaginer que ça a pu se passer ici. J'en ai tellement eu que plus rien ne peut me choquer. Je vois pas de placard. Des gamins ont dit que Ray allait les enfermer dans un placard quand leurs parents viendraient assez bien sur les cassettes. Vous les avez eus en main? C'est l'accusation qui les a en main. Nous, on se démerde. On est du mauvais côté. Où sont les placards? Je vais vous montrer notre salle de travail. Bonjour les enfants. Bonjour. Il y a du monde, dites donc. C'est incroyable, n'est-ce pas? Les parents se sont donné le mot et depuis, il en vient de plus en plus chaque jour. Venez. Combien de cassettes jusque-là? Plus de 300. Bonjour. Combien elles durent en moyenne? Oh, entre 1h30 et 2h. Quoi? Le procès démarre le mois prochain, je pourrai jamais toutes les écouter. On les a toutes répertoriées sur un cahier.
Sandy. Merveilleux. Asseyez-vous. Merci. Voyons voir. Chuck Ross, 25-12. L'enfant a dit Ray et Peggy ont touché mon pénis. Marianne, 32-71. Elle m'a obligée à embrasser sa poitrine. 35-12, Chuck dit qu'il a dû pénétrer Betty. Vous n'avez rien sur Virginia? Heather? Heather Ross, c'est ici. 26-65. Virginia applaudissait et nous regardait pendant qu'on faisait le jeu, on est tout nus. C'est inimaginable. Ça prend parfois beaucoup de temps, mais on finit par obtenir la vérité. Allez, debout! Allez, allez, réveille-toi! Debout, je te dis! Quoi, mais... Debout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Prends tes affaires, tu déménages! Où est-ce qu'on va? Grouille, j'ai pas que ça à faire! Allez, dépêche-toi! Ton sac! Prends ton sac, prends ton sac! Mets tes affaires dans ton sac! Allez, tu grouilles! Mais qu'est-ce qu'il se passe? Viens l'aider! On te transfère ailleurs! On te transfère ailleurs! Allez, attendez, les chaussures! Avance! S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire où vous m'emmenez? Cellule 4203, transfert de la détenue effectué à 3h17. Je ne veux pas partager ma cellule avec quelqu'un. Entre! Maman! Oh, maman! Est-ce que c'est toi, Peggy? Maman! C'est toi! Oh, merci, mon Dieu! Merci, mon Dieu, c'est toi! Oh, c'est si horrible ici! Il y a cette femme dans la cellule à côté. Elle crie toutes les nuits! Chut. Elle n'arrête pas de crier! Maman! Je suis tellement heureuse que tu sois là! Enfin, j'ai quelqu'un avec moi à qui parler! J'ai tellement... Est-ce que tu es vu Ray? Est-ce qu'il va bien? Comment va mon petit garçon? Ils n'ont rien voulu me dire. Oh, ils l'ont lâché. J'ai tellement peur. J'ai tellement inquiète pour mon Raymond. J'ai peur pour nous tous. Empêchez votre mère de parler si vous ne voulez pas que ça se retourne contre vous. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Vous êtes sûrement sur écoute. Ils vous ont pas mise dans la même cellule par pure gentillesse. Vous trouvez vraiment qui respire la bonté? Oh non, je rêve. On s'est déshabillé et quand on a été par terre, on s'est mis sur le ventre et puis c'est là qu'ils nous ont attaché les mains. J'avais très peur. Ils ont crié, ils m'ont dit de la boucler. Elle a mis son doigt et elle l'a enfoncé. Et ça faisait mal. Où ça te faisait mal? À mon derrière. Il n'y avait pas qu'eux, il y avait d'autres hommes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient et ils nous photographiaient. Ray nous a emmenés dans le truc où on lave les voitures et il est resté avec nous dans la voiture pendant qu'elle se lavait. Après, il nous a fait mettre tout nu et il nous a caressés. On ne peut que louer le courage de ces enfants. Les pauvres agneaux se sentent malheureusement responsables des viols qu'on leur a fait subir. Il faudra les entourer d'amour si on veut qu'ils puissent arriver à oublier les épreuves qu'ils ont vécues. D'autant que ces gens ont bafoué leur confiance. Kim McFarlane a également affirmé que les enfants ont été d'une constance remarquable dans leurs déclarations depuis les 10 mois que durent ces entretiens. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Est-ce qu'il t'en souvient? Qu'est-il de si important? Tu sais que le procès a lieu dans 2 semaines. Bonjour, Malcolm. Où est Judy? Il vaudrait mieux que tu parles à Malcolm en tête à tête. Dis-lui, Malcolm. Il m'a fait mal. Qui t'a fait mal, Malcolm? Il me l'a mis. Qui est-ce qui t'a mis quoi, Malcolm? Son truc, il me l'a mis dans mon derrière. C'est papa qui me l'a mis. Qu'est-ce que tu appelles son truc, Malcolm? Son truc... Quand est-ce qu'il l'a mis? Dans la baignoire. Papa a pris le bain avec moi. Est-ce que maman t'a dit de dire de vilaines choses sur papa? Non. Non. Maintenant, si tu retournais voir maman... À tout à l'heure. Tu crois vraiment que le petit n'a pas menti? Et toi, quel est ton avis? Je pense qu'il doit y avoir une autre explication. Tu as bien une idée, non? Il vient de demander le divorce. Nous y voilà. Judy n'a pas d'argent, elle ne travaille pas.
Elle veut garder la maison et se ramasser un paquet de fric au passage. Il faut qu'on enregistre la plainte contre le père. Jane, si on l'enregistre, la défense va nous descendre en flammes. C'est la première accusation contre Ray Bucquet. Malcolm était avec son père la veille du jour où Judy est venue déposer plainte. Ils feront tout de suite le rapprochement. Très bien. Qu'est-ce que tu comptes faire? Laisser le père faire encore joujou avec lui? Non, bien sûr que non. Tu vas dire à Judy qu'elle évite que le père voie Malcolm le temps qu'on fasse notre enquête. D'accord? Je vous dis pas tout le mal qu'on a eu pour avoir ces cassettes. On va être obligé de les visionner ici. Ils ont refusé que je les emporte à mon cabinet. Il va falloir que vous m'aidiez, hein. Vous allez me prendre des notes pour chaque enfant. Écrivez tous les détails qui vous reviennent en mémoire sur l'un ou l'autre. On va commencer par Jonathan Lawson. C'est parti. Et lui, on peut le passer. Je suis revenu chez nous après qu'il ait quitté l'école. Apparemment, si on a cette cassette, c'est que lui se souvient de vous. Alors on y va. Tâchez de bien vous souvenir, comme on dit au tribunal. Je suis sûre que tu n'as encore jamais vu de poupée comme celle-là. Tu vas voir, il n'y en a pas deux comme elle. Elle est marrante. C'est un vrai chou, tu ne trouves pas? Elle a un nombril et des poils sur le pubis. Non, c'est pas... Et celle-là? Celle-là, elle a un pénis. Maintenant, je veux que tu regardes cette photo. Tu connais cet homme? Tu te souviens de lui? Oui, je crois. Je crois. Ce n'était pas ton instituteur à l'école McMartin? Non, je crois que je ne l'ai pas eu en classe. Regarde sa figure. Non. Tu l'as vu ailleurs? Peut-être dans l'école? Non, j'en suis sûr. Comment ose-t-elle faire ça? Chut, écoutez. Je l'ai pas vu beaucoup. Une fois ou deux. Les grands garçons comme toi doivent aider les plus petits parce qu'ils sont moins éveillés. Et on sait qu'il leur est arrivé de très très vilaines choses. Tu crois que tu es capable de nous aider? Il m'est rien arrivé. À toi, il ne t'est rien arrivé. J'arrive pas vraiment à me rappeler. En fait, je suis pas sûre. Ce sont des choses qu'on a souvent du mal à raconter. C'est pour ça que les marionnettes le font à notre place. Salut, serpent! Des enfants nous ont dit qu'ils jouaient à des jeux interdits et que leurs instituteurs les touchaient à des endroits interdits. Est-ce que c'est également arrivé à Jonathan? Non, pas du tout. C'est jamais arrivé à Jonathan? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Et le jeu des chatouilles, est-ce que tu t'en souviens? Le jeu des chatouilles? Oh, ta mémoire n'est quand même pas aussi mauvaise. Tous tes copains ont dit que tu y jouais toi aussi. Ne me dis pas, serpent, que ta mémoire est moins bonne que la leur. Oui, je me rappelle des jolies chatouilles. Tu vois, tu as une excellente mémoire. Je croyais qu'elle était pas bonne. Elle est peut-être meilleure que tu ne crois. Maintenant, si tu nous montrais un peu comment est-ce qu'on jouait aux chatouilles. On se mettait à courir à quatre pattes et ils essayaient de nous attraper. Et puis, ils allaient doucement et ils nous chatouillaient. Est-ce que parfois vous jouiez tout nu? Il me chatouillait là, et il me chatouillait le ventre sous mon t-shirt. C'est tout ce qui s'est passé. C'est tout ce qui s'est passé? Oui. Ce gamin peut vous sauver la vie. Bien. Et tu te rappelles le jeu des mannequins de charme? Le jeu des mannequins de charme? C'est un peu comme un défilé de mode, je crois. On devait traverser la pièce, et puis on faisait demi-tour et on revenait.
Que faisaient les grandes personnes pendant ce temps-là? Ben, je sais pas trop, ils nous prenaient en photo. Oh ben toi alors, t'es drôlement fort, dis donc. Et qui est-ce qui nous prenait en photo? On va voir si ta mémoire est vraiment bonne. C'était Ray, ça je le sais. C'était Ray, ça je le sais. C'était Ray, ça je le sais. Pas possible. Pas possible. Pas possible. Pas possible. J'avais très peur. Ils voulaient nous cacher dans un tunnel sous l'école. Pour que maman et papa ne nous retrouvent pas. Et une fois tout nus, ils nous ont mis en rond et ils nous ont dit « danser ». Alors Ray l'a frappé de toutes ses forces et il a tué le cheval. Avec quoi l'a-t-il frappé? Une batte de baseball. Il lui a cogné dessus et le cheval est tombé. Il y avait quelqu'un d'autre avec lui? Le croque-mort. Ils nous ont emmenés à l'aéroport et on a pris l'avion. L'aéroport? Mais tu n'avais pas parlé d'une voiture? C'était un avion, mais il n'y avait pas de fenêtre. Vous sortez. Liberté provisoire. Votre père vous attend sur le parking. Là, maintenant? Oui, maintenant. Venez. Et les autres, ils les relâchent aussi? Pareil, mais on s'y attendait. Quant à votre mère, son avocat a demandé un procès accéléré. Oh mon Dieu! Tout ira bien. Je vais encore me retrouver toute seule. T'en fais pas, maman, tu sortiras bientôt. Tiens, je te laisse ce peigne. Merci. Il pourra toujours te servir. T'en fais pas. Sois forte. Je ne sais. Je t'aime. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir le coup. Quoi? Sans toi, je ne sais pas si je pourrais arriver à tenir le coup. D'accord. D'accord. Pleure pas. Je reste avec toi. Je reste. Je vais refuser la liberté provisoire. Je vais leur dire que je peux pas faire ça, que je reste. D'accord? Non. Non, tu sors. Dépêche-toi, avant qu'ils changent d'avis. Va-t'en. Maman. Va-t'en. Va-t'en. Une levée d'écrou. Ah bon, excusez-moi. J'avais cru vous entendre me remercier de vous avoir fait libérer, mais... Je ne peux pas. Je me sens trop coupable. Coupable de quoi? D'être la seule qu'on ait autorisée à sortir. Aujourd'hui, quelques semaines seulement après que le nouveau procureur Ira Reiner ait repris les rênes de l'affaire McMartin, il y a tout juste 11 mois, nous vous apprenions en exclusivité. Nous allons assister aujourd'hui à l'audition d'une des toutes jeunes victimes, un petit garçon de 7 ans dont le nom restera inconnu. Le témoignage de cet enfant devrait apporter des précisions susceptibles de porter sérieusement un coup au dossier de la défense. L'ambiance ici est tendue et il ne fait aucun doute que les esprits risquent de s'échauffer assez rapidement. Je suis scandalisé et révolté par ce qui est arrivé à ces enfants. Il faut simplement espérer que cela ne va pas mener à l'hystérie collective. Oui, oui, oui. S'il vous plaît, ne lui mettez pas les lumières dans les yeux, elle a la cataracte. Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? Elle a la cataracte. Hé, gentil. Je ne peux rien, virer cette mallette. Non, mais où tu me crois, espèce de salaud? Personne t'a demandé de défendre le démon!
Qu'est-ce que vous vouliez? Comme vous pouvez le constater, la presse sera absente durant les auditions des enfants. Toutefois, les journalistes pourront nous regarder par le truchement d'un circuit vidéo. Bonjour, Sean. Quel âge as-tu ? 7 ans. Tu connais la différence entre la vérité et un mensonge ? Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on dit un mensonge ? On se fait gronder. Très bien. Quand tu étais à l'école, t'est-il arrivé de jouer tout nu ? Aux cow-boys et aux indiens. On était les cow-boys et eux, c'était les indiens. Ils nous capturaient, ils nous mettaient en prison et ils nous touchaient. Où est-ce qu'ils vous touchaient ? Au pénis. Qui t'a touché, Sean ? Ray. Et puis Peggy. As-tu joué à d'autres jeux où tu étais nu ? Au crocodile qui nage. Peux-tu nous dire les noms des gens qui jouaient au crocodile qui nage avec toi ? Je m'en rappelle plus. Et bon, à quel autre jeu encore as-tu joué, Sean ? Au mannequin de charme. Oui. On a pris des photos de toi pendant ce jeu ? Je m'en rappelle plus. Ne m'avais-tu pas dit que Madame Virginia t'avait pris en photo pendant le mannequin de charme ? Votre Honneur, il influence le témoin. Objection. Objection rejetée. Sean, est-ce que Madame Virginia t'a pris en photo quand tu jouais au mannequin de charme ? Oui. Est-ce que quelquefois Ray t'a touché avec autre chose que sa main ? Son pénis. Où est-ce qu'il l'a mis, son pénis ? Dans mon pénis. Il a dit dans mon pénis ? Oui. Merci. Bonjour, Sean. Bonjour. Et bonjour, Snoopy. On m'a dit que ton papa t'avait surnommé Ricky à la houppe. Pourquoi ? J'en sais rien. Tu penses que c'est à cause des taches de rousseur que tu as sur le nez ? Oui. Et Sean, ta maman t'a emmené à l'Institut des enfants. Et là-bas, tu as fait la connaissance d'une dame qui t'a montré de drôles de poupées. Oui. Et cette dame, qui s'appelle Key, a demandé à ce que tu lui parles de pénis, c'est bien ça ? Oui. C'est drôle qu'une dame que tu connaissais à peine veuille que tu lui parles de trucs comme ça. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai ? Key voulait savoir si Ray avait touché ton pénis. Oui. Et tu lui as répondu non, c'est ça ? Oui. Et elle n'arrêtait pas de te demander toujours la même chose ? Oui. Alors à la fin, tu as fini par dire oui, Ray a touché mon pénis. Objection, il influence le témoin. Retenu. Avant qu'on ne te parle de photos, tu ne te rappelais pas que quelqu'un en avait pris ? Non. Alors, Monsieur Stevens, t'as aidé à te rappeler que Madame Virginia en avait pris ? Oui. Et toi, tu as dit oui, Madame Virginia a pris des photos ? Oui. Et tu as dit oui parce que tu pensais que c'est ce qu'il voulait que tu dises ? Oui. Tu t'es dit qu'autrement, il n'aurait pas été content. Oui. Alors tu lui as raconté l'histoire que qui avait envie que tu lui racontes ? Oui. L'histoire que tous les gens qui t'ont posé des questions avaient envie que tu leur racontes. Oui. Merci, Sean. Merci. Et merci, Snoopy. Suspension d'audience de 15 minutes. Charles, est-ce que quelqu'un t'a soufflé ce que tu devais dire devant ce tribunal ? Non. Mais quand Monsieur Davis t'a demandé si tu avais dit aux gens qui t'interrogeaient ce qu'ils avaient envie d'entendre, tu as répondu oui. Pourquoi as-tu fait ça ?
Je l'ai fait parce que je savais qu'il voulait que je dise la vérité. Et comme ça, il serait content. Merci, Sean. Il peut retourner à sa place. L'audience est levée. Je me suis bien débrouillé. Ah oui, très très bien. Tu me donnes... Attendez, j'ai... Je suis un pro. Pendant la suspension d'audience, un des parents a dit à la presse qu'il avait trouvé des photos porno des enfants. Oh, attendez, non. Meilleur. Il dit qu'il ne peut pas les produire parce que, écoutez ça, il y a 4 flics de la police de Manhattan Beach impliqués dans un réseau pornographique. Quoi ? Quoi ? Bien sûr. Vous avez déclaré devant 5 millions de téléspectateurs que Jim était un pornographe notoire. Maintenant, répétez ça devant lui. Très bien. Vous avez dit détenir des photos porno. Donnez-les-moi ou bien je vous mets en garde à vue jusqu'à ce que vous le fassiez. En fait, ces photos n'existent pas, hein ? Qu'est-ce qui vous a pris, nom de Dieu ? Jim se passerait très bien d'avoir une crise cardiaque. Il a déjà assez de tension comme ça. Pourquoi avez-vous fait ça ? Tout le pays doit être informé de ce drame qui affecte l'existence de jeunes innocents. Et quand on est un homme, la fin justifie les moyens. Moi, je m'occupe du matelas. Toi, vérifie l'oreiller. D'accord. Tu me fais ça comme il faut, hein ? Faut rien laisser passer. Ouais. On ne t'a pas dit qu'on ne devait rien ramener du tribunal ? C'est seulement un nounours que ma mère m'a apporté. Elle l'a fait au crochet pour moi. Enlève tes fringues. Grouille-toi et n'oublie rien. Allez, grouille ! Donnez-les-moi. Va falloir qu'on fouille tous les orifices. Allons-y, c'est parti. Montre-moi tes oreilles. Secoue la tête. Rentre le ventre. Bon, maintenant penche-toi. Desserre bien le vagin. Tous. On les fait tousser parce qu'elles se planquent tout un tas de trucs dans le con. Tu rigoles ? Elles s'y fourrent de la cam, des flingues. C'est fou ce qu'on peut trouver là-dedans. Une fois, j'ai même dégoté 6 paquets de clopes. C'est pas vrai. Est-ce que je peux me rhabiller ? Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Je sais pas. J'ai envie d'aller voir le dernier Clint Eastwood. Et toi ? J'irai peut-être à la piscine. Je voudrais rentrer chez moi. Elle a jamais voulu que papa la voie toute nue. Et eux, ils lui ont imposé ça. On est vraiment obligé de garder toutes ces affaires d'école. On peut pas les jeter. Ça fait 6 fois qu'on les déménage. Grand-mère ? Grand-mère. Quel sourire, Béa. Ça te rend pas malheureuse ? Si, bien sûr. Mais je peux être malheureuse tout en goûtant la joie de voir des enfants s'amuser. Peggy Ann t'a-t-elle prodigué des caresses ? Sur mon zizi. Peggy Ann a-t-elle voulu que tu la caresses ? Oui. Où ça ? Sur ses doudounes. T'a-t-elle obligé à la caresser ailleurs que sur ses seins ? Son minou. As-tu vu Ray faire quelque chose à Peggy Ann ? Il lui a mis son zizi dans son minou. À l'école, as-tu vu Ray faire quelque chose à des animaux ? Il a coupé les oreilles à des lapins. Ray disait-il quelque chose en coupant les oreilles de ses lapins ? Qu'il ferait pareil à nos parents si on racontait notre... Thank you.
Écoutez, ce gars-là est un grand consommateur de drogue qui s'est fait virer de pratiquement toutes les écoles où il a travaillé, qui se promène dans une maternelle jour après jour, les parties génitales à l'air. Et il y a autre chose de plus significatif. Quoi? Passez-moi la photo, Glenn. Voilà une photo de Bucket à une convention pyramide. Vous voyez cette femme-là? Elle a raconté aux enquêteurs qu'elle l'avait emmenée à l'hôtel et que non seulement elle avait dû payer la note, mais qu'en plus Bucket n'avait pas pu y arriver. Qu'est-ce que ça a à voir avec des abus sexuels sur des enfants? Mais enfin, additionnez ça aux autres preuves, Christine. Il est évident que c'est un homme pour qui il est impossible d'avoir des rapports normaux. Il faut bien qu'il se soulage comme il peut. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Peut-être. Mais ça n'explique pas sa mère, sa sœur, sa grand-mère. La vieille femme aux lunettes teintées. Voyons, Glenn. Vous croyez donc que les femmes sont incapables d'avoir les mêmes désirs et les mêmes aberrations que les hommes? Dire que je fais ce métier... Et le mieux, c'est qu'on m'a élu. Vous croyez pas qu'il faut être fou? Serait-il possible que les élections puissent avoir un rapport avec tout ça? D'accord. Écoutez, ce n'est pas parce que nous avons des problèmes côté preuve qu'il faut décréter brusquement que ces gens sont innocents. Les enfants ne mentent pas à propos de ce genre de choses. Il y a sûrement des preuves quelque part. J'en suis sûre, il suffit de mettre la main dessus. Quelqu'un va bien finir par être ivre et faire des confidences. Quelqu'un va bien finir par se suicider en laissant une lettre. Quelqu'un va bien finir par trouver ses photos porno. Il nous suffit d'une photo. Une. J'aimerais bien vous dire quelque chose. Je vous écoute, Madame McMartin, mais asseyez-vous. Vous avez dit à mon avocat que le comté n'était plus à même de le payer. Je n'ai plus le moindre argent et je n'ai plus d'école. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Maître Brunen savait à quoi il s'exposait quand il a accepté cette affaire. Mais rassurez-vous, il vous représentera jusqu'à la fin de cette audience. Je n'ai jamais accepté la charité. Je ne vais pas commencer maintenant. Je vous commettrai un autre avocat. S'il me parle, je ne répondrai pas. Madame McMartin, est-ce que vous connaissez un ton soit peu nos lois? Je connais une chose plus importante. Je connais les enfants. Je les ai tous tenus sur mes genoux, ces petits. C'est moi et qui vous décide tous, vous feriez dans ce mieux tribunal de prendre des cours et vous garderez sur les enfants. Maître Brunen pour vous représenter je jusqu'à la fin de l'audience. Je préfère me lever et quitter ce madame tribunal madame, si vous n'insistez pas à quitter ce vous tribunal. Grand-mère maman, ne part pas. Vous devez rester, madame. Est-ce que vous comptez m'y forcer? Retournez vous asseoir. Je ne retournerai pas m'asseoir. Si vous comptez utiliser la force, faites-le. Virginia. Vous êtes beaucoup plus grand que moi. Je vous saurai gré de vous asseoir ou je vous condamne pour outrage à la votre honneur. Mettez-moi en prison. Votre la honneur. Prison, j'y suis déjà allée. Je connais les horribles prisons de ce tu pays. Tu veux y aller en prison, dis. Tu veux y aller? Tu ne pourrais pas le supporter, tu sais très madame. Bien. Madame. Ça m'étonnerait que tu aies envie madame d'y aller Martin. En prison. Martine. Une minute, votre honneur. Je sais ce que vous ressentez. Mais ça n'est vraiment pas comme ça que vous aiderez votre famille, vous savez. Grand-mère? Oui. Malcolm a encore le cul tout rouge. Hein? Qui c'est? Judy? Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Malcolm va bien? Il va bien pour l'instant, mais le chien a le cul tout rouge lui aussi. Et il lui manque des poils. Judy, est-ce que vous êtes en train de me dire que qu'on a violé votre chien? Oui. Je crois que c'était Smarine. Il n'a pas arrêté de me suivre. Il va me suivre. Judy... Je le sens. De quoi est-ce que vous parlez? Est-ce que tu as lu la lettre où elle nous décrit tout ce qui s'est passé? Malcolm, blessé par un lion. Ah, voilà le bébé. Le crâne coupé par le milieu, la cervelle brûlée. Malcolm a dû boire le sang du bébé. La défense a eu cette lettre. Je croyais que Rubin leur avait envoyé. Alors on laisse tomber, je n'ai vraiment pas le temps d'en débattre avec elle. Au cimetière, on vous a forcé à déterrer les gens qui étaient morts? Oui. Et ce sont les instituteurs qui ont donné les pelles aux enfants pour qu'ils les déterrent? Oui. Puis-je approcher le témoin, votre honneur? Regarde. Sur ces photos, il y a des messieurs avec des numéros en dessous. Oui. Regarde bien ces photos, Aaron, et si tu reconnais un des hommes qui était avec vous au cimetière, entoure soigneusement la photo avec ce crayon rouge.
Ça y est? Votre honneur, peut-on inscrire au plumitif que Aaron a identifié le conseiller municipal James Hahn et l'acteur Chuck Norris? Bien sûr. Bien sûr. Merci. ABC, votre journal de la nuit. Et en direct de Washington, Ted Koppel. Nous allons rejoindre en duplex nos studios de Los Angeles où se trouve Daniel Davis, l'avocat de Raymond Buckey, l'un des accusés de l'affaire McMartin. Monsieur Davis, je crois savoir que votre premier devoir envers votre client est de lui assurer la meilleure défense possible. Il semble toutefois que vous auriez plutôt tendance à heurter la sensibilité des jurés en malmenant les jeunes témoins de ce procès. Mon client est incarcéré et en proie au désespoir à la suite des accusations de tous ses enfants. C'est bon ça? Est-il nécessaire d'être aussi brutal avec eux? Monsieur Buckey est prisonnier, un innocent pourri en prison sur des allégations... Ça ne te fait pas peur? Quoi? Les gens vont sûrement te mépriser, autant que les McMartin. Peut-être même plus. C'est tout l'effet que ça te fait? Bah oui, ça me fait peur. Cette affaire est un cauchemar. Ils ont mis un train sur les rails, le train roule, il roule même très vite, trop vite, mais personne ne veut freiner la machine. Un train qui roule vite, enfin quoi? Tu parles de tout ça comme d'un voyage. Grâce. Mais tu cours, tu n'iras nulle part. Pourquoi tu fais ça? Écoute, tu dois renoncer à cette affaire. Elle va te coûter ta mais carrière. C'est à cause de ce genre d'affaire qu'on décide de faire son droit, parce que c'est ça la justice. Oh, je t'en prie. Tu me prends pour une idiote ou quoi? Cette affaire est aussi pourrie que les autres, voire encore plus. Et tu sais quoi? Si c'est toi qui la gagne, tu vas inciter les violeurs d'enfants à croire qu'ils peuvent tout faire et s'en sortir. Je vais te dire, t'es pas différente de tout le monde. T'es si nulle que c'en est pathétique. Je suis tout à fait. On n'a qu'à prononcer le mot enfant et tout le monde veut tuer le bonhomme. À la chaise, pendez-le, qu'on l'exécute, à mort. Mais enfin, comment tout le monde peut être aussi sûr de la culpabilité de cette famille? Et les faits? Tu les oublies, ces putains de faits? Puisque t'es tellement sûr d'avoir raison, pourquoi est-ce que tu cries? Non, pas parce que moi, j'ai pas grandi comme toi avec tous les avantages que tu avais. Nous, quand on jouait, on avait un manche à balai en guise d'épée. Je ne suis pas un avocat de salon, je suis une teigne. Ouais, ouais, je fais peut-être partie de ces enfoirés du système, parce que des enfoirés, il y en a partout. Le système, il est pourri. Tu sais ce qui est en jeu dans cette histoire? L'autorité de la loi. Et j'aime ça, figure-toi. Judy? Fiche-moi le camp d'ici, c'est une terre sacrée. Judy, c'est moi, Steve. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Touche pas à mes enfants, n'y touche pas ou je te tue. Aussi vrai que je m'appelle Judy Johnson. Elle a tiré sur son frère à bout portant. Parce qu'elle croyait qu'il venait tuer son gamin. Ils vont le tuer. Elle n'arrête pas de répéter que ses voisins cherchent à violer ses enfants. Qu'est-ce qu'elle a? Schizophrénie paranoïde aiguë. La boisson n'a rien arrangé. Comment ça, la boisson? Ça fait des années qu'elle est alcoolique. Vous l'ignoriez? L'audience est suspendue pour le déjeuner. Nous reprendrons à 14h30. Ça va, ma chérie? On y va. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Il va falloir qu'on voit ça point par point. Dépêchons. Il y a plusieurs petites choses que j'aimerais vous expliquer. J'aurais besoin de... Debout. Hé, doucement. Debout. Au revoir. Au revoir, maman. À tout à l'heure. Venez. Oui, à tout à l'heure. Compte sur moi. Je serai là, ma chérie. Venez, venez. Surtout, n'oublie pas ton médicament. Allez, dépêchons. Dans un verre d'eau. Doucement, pas si vite. C'est bon, pas si vite, j'ai du mal à... Peggy! Ça va, Peggy? Attendez. Ils lui ont fait du mal. Ça va, ils ça va. Ne font rien mal, du tout. Non, elle n'a rien. Tout va très bien. Je l'ai vu, je l'ai vu. Elle va bien. Vous, je n'ai pas confiance en vous. Calmez-vous. Je n'ai pas confiance en ceux de votre espèce. J'ai trop entendu de mensonges. Tout est mensonge depuis le début de cette histoire. Voyons, calmez-vous, ça va. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ma fille? Il est bien chez lui, c'est qu'il ne lâche jamais le morceau. Hé, hey, fais. Salut. Je vous invite à déjeuner. Bien sûr. On pensait aller chez le grec. Il y a de la soupe aux fèves aujourd'hui. Entendu. Et si je vous parle d'un truc, ça restera entre nous? Hein? Il y a une fille chez le procureur. C'est sûrement Glenn Stevens. Il y a vraiment que lui qui a les couilles de faire ça. C'est inimaginable. Wow! Êtes-vous vraiment assez naïf pour croire qu'un reporter garderait pour lui ce qu'on lui raconte sous le sceau du secret, si cela attrait une enquête en cours?
Et tu l'as fait anonymement. Les gens vont penser que c'est moi. Je vais traîner ça comme un boulet tout au long de ma carrière. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Pourquoi? Je pense que ces gens sont innocents. Pas toi. Voyons, ne me dis pas que le doute ne t'a pas effleuré. Où est la justice dans tout ça? Je vous saurais gré d'abandonner tout de suite ce ton moralisateur et ces mines pontifiantes. Vous n'avez pas à savoir s'ils sont innocents. Votre travail, c'est de veiller à ce que justice soit rendue. Et je vous signale que votre comportement est tout à fait contraire à l'éthique de votre métier. Sachez pour votre information que vous avez saboté cette affaire comme ce n'est pas permis. Et si toutefois ça peut vous consoler, j'ai saboté ma carrière pour le plaisir d'en arriver là. Vous aurez ma démission sur votre bureau demain matin. Je viens de tenir une conférence avec mon équipe. Nous sommes arrivés à la même conclusion. Les preuves contre 5 des accusés sont incroyablement faibles. Ainsi, elles ne méritent pas que l'on s'y attarde. Donc, nous abandonnons les chefs d'accusation contre 5 des inculpés dans l'affaire Mac Martin. Ouais. D'autre part, nous avons l'intime conviction que Raymond Bequet a violé des enfants. Et nous avons également l'intime conviction que sa mère, Peggy Bequet, est complice de son fils dans cette affaire. Merci. On a libéré 5. On peut tout de même lui accorder ça. Pourquoi? Pour avoir fait que dalle? Il sait qu'il ne peut pas faire condamner les 7, mais il les libère pas tous. Il sait que Ray et Peggy sont en prison et qu'ils n'ont pas lieu d'y être. Tenez, regardez. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on parle de lui dans les journaux. On note de très violentes réactions après l'intervention du procureur dans l'affaire qui a mobilisé l'attention de nos concitoyens sur le problème... J'aimerais qu'Ira Reiner aille voir les 300 jeunes victimes et leur explique pourquoi ces gens qui les ont meurtris sont libres d'aller et venir. Écoutez, je ne suis pas homme à faire partie d'une liste de quartier, mais je donnerais pas cher de la peau d'une de ces ordures si je le rencontre en point de la rue. Je croyais que ce mec faisait de la faute. Nos enfants et recommencer ses saletés. C'est une très bonne question. Entrez. Merci. Allô? Bonjour, un appel longue distance pour Monsieur Satz. Oui, ne quittez pas. Chérie? Pour toi, longue distance. Qui est à l'appareil? C'est vous qui? Qui c'est? De la part de qui? Chris Woodyard, de l'examineur. Wayne c'est Chris Woodyard de l'examineur. Allô? Mais qu'est-ce qui t'a pris de répondre? Y a quelqu'un à l'appareil? Allô? Chris? Wayne? Ça va? C'est vrai qu'il est assez sec. Tiens, regarde qui arrive. Bonjour. Quoi de neuf? T'as fait une bonne scène scrapuleuse avec gorge profonde? De quoi est-ce que vous parlez? La belle marionnettiste. Tu vis avec elle depuis combien de temps? Quoi? Il y a conflit d'intérêts quand on baise la source d'un sujet. Ça dure depuis quand? Pas étonnant que tu aies obtenu l'exclusivité. J'ai très bien travaillé sur cette affaire. J'ai eu de l'admiration ainsi que 2 micros d'or pour ça. Alors qui sait, c'est peut-être la jalousie qui vous rend si amère. Oh, la jalousie, c'est à cause des mecs comme toi que les gens nous détestent. On va te tailler un costard tellement comme que tu pourras... Essayez. Mais ne me diffamez pas à l'antenne. Apprenez que j'ai fait des études de droit et il y a une loi pour toute chose. Faut faire attention à ce qu'on dit à la télévision. Lumière, doublure. Oui, il me faut un autre spot, là. Parfait. Oui, c'est ça. Ne vous faites pas de soucis, vous serez parfaite. Dites la vérité sans fioriture. Et tout ira très bien. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit oui. Vous êtes très jolie. N'est-ce pas qu'elle est très jolie? Une vraie déesse. Mais je vous jure, je mens pas, une déesse. 60 minutes pour convaincre. Étant donné qu'on m'a incarcéré, on a confié mes enfants à une autre famille. On les a retirés de l'école où on les avait mis tout petits. Et on les a arrêtés.
Je ne sais pas pourquoi. À l'époque, mon fils avait 8 ans. L'une comme l'autre, on a failli se retrouver à la rue puisqu'on avait perdu tout ce qu'on avait. J'avais un métier, mais à cause de cette histoire, j'ai dû renoncer à enseigner. Dans ce pays, si on vous accuse, vous êtes coupable. Et il faut qu'on se démène là-haut pour prouver votre innocence. C'est vrai, t'as raison. On nous a toujours traités comme des criminels. Et je vais vous dire qui devrait voir ça. Ira Rainer. Vous savez, je pourrais Ira Rainer ferait bien de voir ça. Vous irez le filmer pour l'émission. Virginia McMartin, Betty Rader, Marianne Jackson, Peggy Ann Buckey, leur maison, leur argent, leur honneur, elles ont tout perdu. Le méritait-elle? Non, bien sûr que non. Qui devrait-elle aller voir pour récupérer leur argent, leur vie gâchée? Le comté? Votre prédécesseur? L'Institut international pour l'enfance? Ce n'est pas le genre de question que nous avions prévu. Vous pensez pouvoir obtenir qu'il relâche Peggy? J'espère bien. Elle a 62 ans et ça fait 18 mois qu'on n'a pas eu d'audience. C'est carrément aberrant. On a encore 2 ans avant le procès en lui-même. Ils ne peuvent pas la garder. Ce serait scandaleux. C'est tout? Tout est là. Laissez-le-moi. Je verrai ce que je peux faire. Tu as toujours aimé venir ici? Non. Peggy Ann, je veux rentrer à la maison. Non, maman. Pas dans ce minuscule appartement. Pas encore. Je t'en prie. Tu n'as pas mis le nez dehors depuis qu'ils t'ont relâché. S'il te plaît. Il n'y a personne. Tu n'as rien à craindre, je te le jure. Tu viens? Allez, viens. On va faire quelques pas, c'est tout. Tu n'as pas à avoir peur, je t'assure. Il n'y a personne. Je sais. Je sais très bien que j'ai rien à craindre, pourtant j'ai peur, je suis morte de peur. Oh, j'ai peur qu'il débarque à la maison comme ça en pleine nuit et qu'il me ramène. Peggy Ann, je sais que j'ai rien fait de mal. Pourquoi c'est tombé sur nous? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que Dieu me punisse comme ça? Tout ce que je sais faire, c'est éduquer des enfants et désormais, ça m'est interdit. J'ai tout perdu. Tout! Et toi, ce pli amer au coin de la bouche, tu ne souris plus comme autrefois. Et Ray, Ray, toujours en prison, comment est-ce qu'il peut tenir le coup? Il le tiendra, je t'assure. Tu l'as fait? Oui. On s'en sortira. Attendez, il faut absolument que vous voyez ça. Ça devait être le 21 septembre. 21 septembre 62. C'est important, lisez ça, je viens de le recevoir. Ça vient de qui? De Steven? Mmh. Nom de Dieu. Monsieur Davis, vous aviez rendez-vous? Non. Monsieur! Vous croyez qu'on en serait arrivé là si j'avais présenté ce papier à la vous cour? Vous n'avez pas rentré ici sans vous faire vous amener vous faire foutre et avec vous vos accusations. Je vous prierai instamment d'être poli et je vous serai gré. Vous saviez qu'elle était cinglée. C'est la plaignante principale et vous saviez qu'elle était fêlée du bocal. Voudriez-vous baisser le ton? Je vous prie. Pour qui est-ce que vous vous prenez? Pourquoi cela ne m'est-il jamais parvenu? À qui croyez-vous que vous vous adressez, monsieur Davis? Vous n'espérez tout de même pas me rendre personnellement responsable de tout si, ce qui vient de justement. Ce dossier? Ce n'était pas à moi de vous en parler. C'était à vous de... Vous avez reçu le sommaire. Il fallait en prendre connaissance. Oui. Vous auriez dû faire en sorte d'en prendre connaissance. Je veux que vous me disiez pourquoi vous n'avez pas enregistré de plainte contre le mari de Judy Johnson. Elle l'a accusé d'avoir violé Malcolm, et ce d'autant plus qu'elle a accusé mon client. Ça ne vous pose pas de problème que j'ai pas eu ça? Si, il y a un merci. Problème. Ce n'est pas mon problème. Si, justement, c'est votre problème. J'ignore pour quelle raison vous ne l'avez pas reçu. Quant à Judy Johnson, sachez qu'elle n'a accusé son mari qu'une fois sa maladie déclarée. Elle est venue folle après ce qui est arrivé à son fils. Après qu'il ait été brutalisé et violé par votre client. Non, mais d'où sortez-vous? Qu'est-ce que vous avez dans le cerveau? Est-ce que vous avez pris la peine de lire ça?
Est-ce que vous l'avez lu? Vous n'avez pas engagé de poursuite contre son mari de peur que ça ne vienne entraver votre petite chasse aux sorcières contre mon client? Vous voulez que j'aille me faire foutre, hein? Très bien, je m'en vais. Mais vous savez ce que je vais faire? Je vais aller voir le juge. Et je vais lui demander de vous récuser, vous et tout votre bureau de merde, pour entrave à la justice. Je n'ai jamais rien vu d'aussi explosif que cette lettre manuscrite de Madame Johnson, qui, paraît-il, n'a pas été transmise à la Défense. Le ministère public déclare qu'il serait content d'envoyer un rapide sommaire des pièces à conviction parce qu'il s'est trouvé submergé par le volume conséquent des plaintes. J'accepte cette explication et, par conséquent, je répète l'accusation d'entrave au cours de la justice. Cependant, la Cour accorde à la Défense le droit de faire examiner Madame Johnson, étant donné que celle-ci est un témoin crucial. On nous signale un 75-229 Lincoln Street. 75-229 Lincoln Street. Bien reçu, on est sur place. Terminé. Tous les jours, à la radio, à la télévision, elle s'est entendue ridiculiser, humiliée par Monsieur Davis. Il reste à espérer que la Défense regrette ses propos fielleux. Le procureur ne recule devant rien. Le cadavre n'est même pas encore froid. Qu'a-t-elle pu ressentir en s'entendant répéter que cette affaire est le fruit des élucubrations d'une déséquilibrée? Il est fort louable à la partie adverse de montrer tant de compassion pour Madame Johnson après sa mort. Seulement, ils étaient au courant depuis le début. Ils ne l'ont pas aidé parce qu'ils ont eu peur que la Défense ait vent de sa maladie. Ils l'ont spolié. À cause de la Défense, en quelques semaines, cette femme a souffert plus que n'importe qui dans toute une vie. Certainement pas autant. Et elle aurait pu souffrir encore plus, mais par la grâce de Dieu, cela lui a été épargné. D'après les premières constatations des enquêteurs, Madame Johnson serait décédée d'une trop grande absorption d'alcool. Madame Johnson était une figure clé de l'affaire McMartin. Ce sont ces accusations qui ont conduit à l'incarcération du dénommé Raymond Boquet. Et nous apprenons également... Ta-da ! Je sais que vous vous considérez comme un athlète, alors je vous apporter de quoi vous entraîner. Judith Johnson est morte. Oui, je sais. Et c'est dommage. Mais on s'en passera. Merci, messieurs. On s'en passera ? C'était notre porte de sortie. Merci. Je ne crois pas que j'arriverai encore à supporter tout ça. Il le faut pourtant. Toutes les nuits, je m'allonge sur mon lit dans cette minuscule cellule et je me mets à tourner et à retourner la même chose. Pourquoi j'essaye pas de m'étouffer dans un sac en plastique? Pourquoi j'ai pas le cran de me tailler les poignets? Qu'est-ce que j'attends pour le faire? À quoi bon continuer de vivre? Pour voir ma famille humiliée, ruinée, usée jusqu'à la corde? Les gens me haïssent. Pour eux, je suis Freddy Krueger, peut-être même pire que Charles Manson. Et pour les enfants, je suis sûr que mon nom est devenu synonyme de croque-mitaine. C'est vrai. Tu as raison, Ray. Ils te haïssent tous. Seulement, on va faire en sorte que les gens, que les jurés reportent cette haine sur quelqu'un d'autre. Sur qui? Je comprends pas. Sur Lyle Rubin. Qu'est-ce qu'elle aura contre toi au procès? Je vais te le dire. Elle va argumenter sur le fait que t'as découpé une photo de nu dans un magazine pour dire que tu violes des enfants. Elle va te faire passer pour un obsédé parce que quelquefois tu oublies de porter un slip. Elle va dire que parce que tu ne te jettes pas sur tout ce qui porte une jupe, ça prouve que tu fais la sortie des écoles. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer quand elle présentera à la cour un dossier aussi mince que celui-là? Les gens verront que c'est du pipeau. Les gens verront que les faits et les preuves ne sont qu'un tissu de conneries. Et ils verront que si quelqu'un mérite un procès pour avoir entubé tout le monde, ça n'est sûrement pas Raymond Boquet. Ça va aller? Maintenant, tu vas te mettre à l'entraînement pour voir combien de kilomètres tu peux avaler. Et pense que tu ne veux pas voir Lyle Rubin, Nikki McFarlane danser toutes les deux sur ta tombe. Ta-da! Reprends-toi, Ray. Pratiquement 4 ans après que la police ait inculpé les responsables de l'école McMartin pour abus sexuels sur des enfants, les accusés Raymond Boquet et sa mère Peggy McMartin Boquet vont enfin passer en jugement face à un jury composé de 8 hommes et de 4 femmes. Monsieur Freeman, Raymond Boquet vous a bien avoué avoir eu des rapports sexuels avec des enfants. Il m'a dit les avoir agressés sexuellement. Voudriez-vous nous répéter ses propres termes? Je dois vraiment dire ce qu'il m'a dit? Oui. Ben, il a dit qu'il avait défoncé le cul d'un bombe de 2 ans. C'est faux. Je n'ai jamais dit une chose pareille. L'accusé vous a-t-il dit de quoi il se servait lorsqu'il a, je cite, défoncé le cul d'un môme de 2 ans? De l'huile d'amande douce et de la vaseline.
Vous a-t-il dit pourquoi il se sentait obligé d'utiliser de l'huile d'amande douce ou de la vaseline? Oui, il a dit que c'était pour empêcher le gamin de saigner. Monsieur Davis, il semble que nous ayons un problème. Lequel, votre honneur? J'ai demandé cette réunion parce que j'estime que Monsieur Freeman devrait avoir un avocat. Il m'a dit qu'il s'était rendu coupable de parjure dans d'autres affaires. Quand vous a-t-il dit ça? Il y a 3 semaines. Vous saviez pertinemment que Freeman s'était déjà rendu coupable de faux témoignages et vous l'avez laissé comparaître sans en informer la cour? Pour être franche, j'avais oublié que son cas requérait la présence d'un avocat à ses côtés. Quoi? Nous devons envisager l'immunité ou le vice de procédure. Le vice de procédure, on ne peut pas laisser passer ça. Savez-vous combien l'État a dépensé pour cette affaire? Je me fous de savoir combien ça coûte. Il y a vice de procédure, un point c'est tout. Cela pourrait coûter cher et les contribuables n'aiment pas qu'on gaspille leur argent. Votre Je suis convaincu que M. Freeman doit témoigner. Et le seul moyen, c'est de lui accorder l'immunité. Depuis le début, la manigance et tout ça. M. Davis, ma décision est ferme et définitive. Quand Freeman vous a mis au parfum, qu'avez-vous dit? C'est rien, George. Sortez-leur votre baratin, je vous couvre. Je n'ai absolument rien dit de tel. Et tâchez de ne pas ébruiter ça, s'il vous plaît. Le ministère public ainsi que le juge ont dit à George Freeman, vas-y, mens, commets un parjure. Nous ne te poursuivrons pas seulement, il y a une chose pour laquelle il ne peut pas avoir l'immunité, et c'est le meurtre. Comment le meurtre? George Freeman a commis un meurtre. Il n'a pas été inculpé. Et pourquoi d'après vous ils ne l'ont pas inculpé? Seriez-vous en train de suggérer que Freeman a conclu un deal avec le procureur contre son témoignage? Je ne suggère rien du tout, c'est à vous de faire votre opinion. Mais pour le procureur, George Freeman, c'est un peu comme une espèce de cheeseburger de luxe avec double portion de frites. Soit on réussit à l'avaler, soit on est fragile de l'estomac, ça passe mal et on dégueule. C'est moi je m'en tamponne parce qu'avant que ce soit fini, je vais faire condamner George Freeman pour ce meurtre. Merci, pas d'autres questions. Vous pouvez nous alerter, s'il vous plaît. Vous n'avez rien pour étayer tout ça. Rien du tout, et alors? Le témoin vedette dans l'affaire McMartin en cours de procès, George Freeman, a été arrêté ce matin après avoir refusé de comparaître. Le shérif a dû le traquer jusque chez sa sœur dans la vallée de San Fernando, où il s'était réfugié. Les policiers l'ont trouvé caché dans le garage derrière une pile de cartons. Il s'est rendu au shérif sans le moindre incident et il est attendu demain matin à la barre des témoins. Vous ne m'aimez pas tellement, n'est-ce pas? Ça se voit. Cela vous ennuie que j'ai dit que j'allais vous faire condamner pour meurtre? M'en fous pas mal. Monsieur Freeman, avez-vous déjà été condamné pour ce que l'on pourrait appeler cruauté envers des enfants? Ouais. Est-il vrai qu'un jour, vous avez attaché votre mère et votre sœur, cambriolé leur maison et que vous êtes parti en les laissant attachés? Ça ne regarde que moi. Exact.
Maintenant, tu veux le frapper. Continue. C'est bien. Pourquoi l'avez-vous encouragé à battre la poupée censée représenter Ray? Ne pensez-vous pas que ce genre de choses incite les enfants à penser que c'est quelqu'un de méchant? Pas du tout. C'est de la thérapie. Il est préférable qu'ils exorcisent leur colère plutôt que de la garder au fond d'eux-mêmes pendant plusieurs années. C'est une bombe à retardement si c'est refoulé. Sandy Krebs, votre assistante, vous lui avez enseigné votre technique. En effet. À l'origine, vous l'aviez engagée comme opératrice caméra, c'est bien ça? Vous semblez accorder de l'importance au bagage universitaire des gens. Mademoiselle McFarlane, c'était, selon vos propres termes, une des plus grosses affaires d'abus sexuels sur des enfants de toute l'histoire du monde. Pourquoi ne pas avoir pris les personnes les plus expérimentées? Parce que la plupart n'auraient pas eu le courage de faire ce que j'espérais. Vous espériez quoi? Simplement découvrir la vérité. Tu as compté le nombre de fois où ta maman t'a demandé ce qui s'est passé? 159 fois en tout. Je sais ce qu'on va faire. On va essayer avec quelqu'un d'autre. Je te présente Gros Canari. Gros Canari, cette petite fille va te pincer le bec une fois pour non et deux fois pour oui. Tu as compris? Une fois pour non et deux fois pour oui. Quand on a embêté Jennifer à l'école, ça veut dire qu'on l'a tripotée? Non. Non. Est-ce qu'il arrive à Ray de dire des choses dégoûtantes aux enfants? Non. Quelquefois, les gens qu'on aime bien touchent les enfants à des endroits qui peuvent les mettre très mal à l'aise. Est-ce que Ray a touché les enfants à ces endroits-là? Non. Non? On en a assez d'entendre tous ces noms. Non. Vous avez dit à ses parents qu'elle avait été violée, oui ou non? On s'est dit qu'il y avait un blocage. Est-ce que les parents ont vu tout le film? Je vous demande pardon. Ont-ils vu tout le film, Mademoiselle McFarlane? Non. Nous avons interrogé 400 enfants et nous étions vraiment débordés. Donc vous avez été très vite jusqu'à la fin de cette vidéo. Et vous avez dit à la famille quel enfant pouvait avoir ou ne pas avoir été violé, c'est exact? Je ne suis pas une magicienne, Monsieur Davis. Enfin, c'est vrai, l'idée qu'après une heure ou deux avec moi, un enfant dirait qu'il a été violé, même si ce n'est pas le cas, ferait de moi une espèce de génie. Les enfants entre 3 et 6 ans peuvent être très influençables. Souvent, ils développent un monde imaginaire fertile. Et il est extrêmement facile de les manipuler. Avez-vous manipulé ces enfants, Mademoiselle McFarlane? Je savais ce qui allait se passer en m'exposant de la sorte avec ces films. Je savais que des gens comme vous iraient éplucher chaque mot et chaque inflexion. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse, Monsieur Davis, pour que les enfants disent la vérité. La vérité? C'est ce que vous avez obtenu? Que cherchez-vous à insinuer? Que j'aurais sciemment implanté de fausses idées dans leur tête? Selon vous, ce serait pour ça que j'ai lancé cette histoire? Non, je pense que vous avez lancé cette histoire pour une très noble raison. Aider les enfants que vous croyez avoir été gravement traumatisés et peut-être même leur éviter le traumatisme d'avoir à témoigner. Mais je pense également que vous auriez dû connaître les dangers d'une technique pareille, très suggestive. Une technique qu'habituellement on utilise lorsque le viol a déjà été clairement démontré. Et là, rien n'indique que ces enfants ont bien été violés. Et vous, vous avez malgré tout utilisé cette technique et elle est devenue une pièce à conviction. Ce que vous dites est ridicule. C'est bien évident qu'ils ont été violés. Ces enfants me l'ont dit, je les ai entendus. Et vous et votre système judiciaire, vous voudriez les empêcher de dire toute la vérité. Oh, je ne vous blâme pas de refuser d'affronter la réalité, mademoiselle, parce qu'elle n'est pas bien reluisante. Vous n'avez pas écouté ces enfants. Vous avez fermé vos deux oreilles à la vérité, à ce qu'ils ont essayé si désespérément de vous dire. Et vous avez fini par implanter dans leur imagination le souvenir d'un événement qui n'a jamais existé. Pourquoi aurais-je fait ça? Ça, je ne sais pas, mademoiselle McFarlane. Ce que je sais, c'est que M. Satz a mis le nez dans tout ça. Et tout à coup, vous voilà devenue la Jeanne d'Arc du mouvement enfant. Votre honneur! La championne des droits de l'enfant, leur sauveur. Monsieur Davis. Peut-être que c'était votre rêve, peut-être que c'est le pouvoir qui vous a attiré. Votre honneur! Quel pouvoir? Monsieur Davis. Une auréole sur votre tête, une émission quotidienne à la télévision. Vous voilà célèbre, votre honneur, objection. Est-ce que ça n'est pas une situation? Monsieur Davis. Cela suffit. Objection retenue. Merci, votre honneur. Je n'ai pas d'autres questions.
Raymond Bucky en est aujourd'hui à sa 5e année de prison depuis l'affaire. Un nouveau record dans les annales judiciaires californiennes. Mais aujourd'hui, c'est une grande victoire pour la défense. Le juge Pounders a ordonné la mise en liberté sous caution de Raymond Bucky et a confié celui-ci à la garde de son avocat, Daniel Davis. Déclaration, s'il vous plaît. Faites une déclaration. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Faites une déclaration, ouais. S'il vous plaît. Nana, aucun commentaire, laissez-nous passer. Vous saurez tout en lisant les journaux. Vos commentaires, Raymond. S'il vous plaît, arrêtez, je n'en peux plus. C'est bon, du calme. C'est le genre de saloperie qu'ils te cracheront à la figure durant toute la journée de demain. Et toi, tu vas regarder chacun des 12 jurés dans les yeux. Et pas question de regarder ailleurs. Il faut que tu restes en contact avec chaque homme et chaque femme. J'y arriverai pas. Pourquoi? Mais de quoi est-ce que tu as peur? Je viens de passer près de 5 ans en prison. Je sais même plus me comporter en public. Je veux dire, il y a cette femme qui raconte des mensonges sur moi, qui a mis ma mère en prison et qui cherche à me nuire dès qu'elle en a l'occasion. Qui sait si je vais pas sauter du box des témoins pour aller l'étrangler ou bien fondre en larmes? Parce que c'est exactement ce qu'elle attend de toi. Écoute, tu viens de me dire de quoi tu avais peur. Tu veux savoir de quoi moi j'ai peur? Moi j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je gagne ma vie en défendant des dealers et des ordures. J'ai peur que Lyle Rabin, Ira Reiner et tous ces cons du bureau du procureur me bouffent tout cru. Par contre, j'ai une chose qu'ils n'ont pas. Je tais-toi. Et toi, tout ce que tu as, c'est moi. Alors demain, je vais ravaler ma peur, j'irai au tribunal et je les affronterai. Et toi, tu vas leur dire un truc qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre dans ce tribunal. Tu vas leur dire la vérité. Et les jurés nous croiront ou ils ne nous croiront pas. Si jamais ils nous croient, tu seras un homme libre. S'ils ne nous croient pas... Oui. Tu comprends? Je comprends. Monsieur Buck et ses enfants vous ont accusé de les avoir... sodomisés, d'avoir tué des animaux, d'avoir menacé de tuer leurs parents si jamais ils parlaient. Tous ces enfants mentent-ils? Non. Non, pas tous. Qu'entendez-vous par pas tous? Je pense que certains enfants ont été incités à penser que c'est arrivé. Permission d'approcher la barre, votre honneur? Accordé. Vous reconnaissez ces photos? Qu'y a-t-il? Elles vous font peur? Prenez-les, regardez-les. Voudriez-vous nous dire ce qu'il y a sur la première? C'est la photo d'un homme qui fait un cunnilingus à une femme. Pourquoi l'avoir gardée? Juste pour le plaisir. Vous vous êtes masturbé devant, n'est-ce pas? Voudriez-vous dire au juré de quelle manière? Je vous demande pardon. Est-il exact que vous avez mis ceci sur la fenêtre de votre chambre et que vous vous soyez masturbé sur votre lit de telle façon que les passants puissent vous voir? Non, c'est faux. Ce n'est pas ce que vos voisins ont dit. On ne peut pas voir dans ma chambre de la rue. Vous pensez qu'une personne qui fait ça mérite de travailler dans une maternelle? J'estime que cela n'a rien à voir avec la maternelle. Alors pourquoi l'avoir déchirée quand la police est venue? Pourquoi l'avoir jetée dans les toilettes? J'appréhendais ce qu'elle pourrait en faire. Qu'est-ce que la police pouvait en faire? Ce que vous essayez d'en faire maintenant. Est-il exact que vous ayez l'habitude de vous asseoir en face du petit bassin de la piscine de l'école, en short, sans sous-vêtements, les parties génitales visibles? Non, c'est inexact. Je ne porte pas de slip, mais mon short m'arrive en fait à mi-cuisse. Vous êtes un hétérosexuel, on ne peut plus normal. C'est bien ça, monsieur Bucky? J'ignore si les deux mots sont compatibles. Est-il exact que le seul plaisir que vous ayez jamais éprouvé ou que vous éprouverez jamais, ce soit avec ses enfants, que vous êtes incapable d'avoir des rapports sexuels satisfaisants avec une femme adulte? J'ai peut-être fait des bêtises irrémédiables dans la vie. Je suis loin d'être parfait, mais je n'ai jamais couché avec un enfant, ni fait du mal à un enfant. Et j'ai eu des rapports sexuels satisfaisants avec une femme adulte, mademoiselle Robin. Vous intéressez-vous aux pyramides, monsieur Bucky? Objection, aucun rapport. Rejeté. Qu'est-ce qu'une pyramide? Elle doit avoir un effet positif sur les choses vivantes. Une au-dessus de votre lit favorise le sommeil, ce n'est qu'une marotte. Vous êtes-vous rendu à une convention où l'on vendait des pyramides? Objection, votre honneur. J'aimerais approcher, si vous voulez bien. Accordé.
Votre honneur, je proteste. Le procureur essaie de changer les pyramides en pentagramme pour faire passer mon client pour Dracula. Vous avez dit que Piggy Buckey aimait les enfants. Est-ce qu'une telle personne laisserait quelqu'un qui prend de la drogue et se rend à une convention des pyramides travailler dans son école? Objection rejetée. Poursuivez. Permission d'approcher, votre honneur? Accordé. Ceci est bien une photo de vous prise à la convention sur les pyramides. Oui. Vous voyez la femme qui se trouve à droite sur la photographie? Oui. Qui est Diana Sullivan? Je t'en ai parlé. On a été amants. C'est pas tout à fait ce qu'elle a dit aux enquêteurs. Je sais pas ce que ça peut faire si j'ai couché ou non avec elle. Eh bien, je pense qu'elle va la faire comparaître et lui dire de raconter aux jurés que tu n'aimes pas les femmes. Et on va en prendre un sacré coup. Je crois pas qu'elle dise ça. Ah oui? Et pourquoi, s'il te plaît, te voilà brusquement devenu un super étalon méconnu? Ray. Je te l'ai dit, je crois pas qu'elle fasse ça. Madame Sullivan, en 1984, avez-vous dit à quelqu'un que vous n'aviez pas couché avec Raymond Buckey? Oui. À qui? Mon fiancé. Et aux enquêteurs qui sont venus m'interroger il y a 7 ans. Pourquoi leur avez-vous dit ça? Parce que je désirais protéger ma réputation et mon mariage. Au cours des dernières semaines, est-ce que des personnes travaillant avec Mademoiselle Rubin sont venues vous rendre visite chez vous dans le Montana? Oui. Dans quel but cette visite? Ils voulaient que nous parlions de mon témoignage. Ils m'ont questionné devant mes enfants, si bien qu'ils ont cru qu'on allait m'envoyer en prison. Et quelle était leur intention? Ils voulaient être sûrs que j'allais certifier que je n'avais jamais couché avec Raymond Buckey. Et leur avez-vous dit qu'en fait vous aviez bien couché avec lui? Oui. Merci, ce sera tout. Pourriez-vous dire de vous que vous êtes une femme facile? Non, je ne crois pas en être une. Trouvez-vous agréable la publicité que vous fait ce procès? Non. Je sais que mes enfants vont lire tout ça dans les journaux. Avez-vous eu quelques difficultés pour coucher avec Monsieur Buckey? Qu'entendez-vous par difficulté? Vos rapports se sont-ils bornés à des caresses buccales avec Monsieur Buckey? Non. Vous n'avez pas parlé de ça aux enquêteurs? Non, je ne leur en ai pas parlé. Vous en êtes sûre? Ce n'est pas le langage que j'aurais utilisé. Quel langage auriez-vous utilisé, Madame Sullivan? Oh, j'aurais dit... sucer. Aujourd'hui, Monsieur Buckey en est à 7 jours d'audience. Le procureur a réussi à faire avouer au plus célèbre des violeurs d'enfants présumés qu'il ne portait pas de slip sous son short, qu'il fumait de la marijuana, qu'il croyait au pouvoir des pyramides et qu'il est resté vierge jusqu'à 24 ans. Mais pour le moment, rien qui permette de faire avancer l'enquête sur une affaire réunissant 400 viols d'enfants et qui a conduit le pays à l'hystérie. Ce sont bien les affaires trouvées dans votre chambre, Monsieur Buckey? Oui. Vous vous intéressez à la pornographie depuis fort longtemps, dites-moi. Quel âge aviez-vous quand vous avez dessiné ce croquis? J'avais à peine 11 ans. Vous ne trouvez pas cela plutôt élaboré pour un garçon de cet âge? J'avais shippé un Playboy et puis j'ai décalqué cette femme, c'est tout. Vous lui avez dessiné des poils pubiens? J'ai dessiné une paire de seins également. Revenons aux pyramides. Ce sont vos livres? Oui. Vous trouvez normal qu'un homme de votre âge croit aux pyramides? Eh bien maintenant, ça me fait plutôt rire. Pourtant, cela ne vous faisait pas rire à l'époque. Non, en fait, j'y croyais. Sur cette table, y a-t-il un objet appelé un dôme rayonnant? Oui, on appelle ça comme ça, mais ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas la question. Ce dôme rayonnant n'est-il pas censé avoir 40 fois plus d'efficacité qu'une banale pyramide? Objection, votre honneur! Cela induit à des spéculations sur le pharaon qui l'a fait construire. Ces charmants effets sont-ils à vous, Monsieur Buckey? Non. À qui sont-ils? À ma sœur. Qui les avait apportés chez vous? Le père de son copain, pour lui faire une blague. Cela fait partie de votre collection? Non. À qui est-ce? À ma mère.
Elle les a gardés pour ses nièces. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Un chapeau pyramidal. Un chapeau pyramidal. Comme ceci ? Vous l'avez mis à l'envers. Ah. Monsieur Bucquet, est-il possible que, par son pouvoir, cette pyramide vous ait poussé au viol d'enfant ? Non. Est-il possible que ce pouvoir ait perturbé vos sens pour que vous oubliez de pénibles faits comme celui d'avoir violé un enfant ? Non. Est-il possible que vous n'ayez jamais violé d'enfant ? Oui. Veuillez regarder les jurés dans les yeux pour répondre à cette question. Avez-vous jamais violé un enfant ? Non. Alors, quoi de neuf ? Les jurés ont délibéré. Ils viennent de sortir ? Non, ils sont sortis hier soir. Et ils liront le verdict à la reprise d'audience ce matin. 13 chefs d'accusation et c'est la condamnation. Et est-ce que c'est bon signe ? Ta mère totalise 13 chefs d'accusation. Et si jamais ils la condamnent, bah, c'est pas très bon pour toi dans ce cas. Bon, ça ne veut rien dire, hein, tu sais. Et c'est pas la fin du monde. Je peux maintenir la liberté, qui sait, et on fera appel. On a de quoi faire appel. Je suis désolé. 12 personnes pour nous, ça aurait été trop beau. Je n'ai pas su les convaincre. Danny. Tu es le meilleur. Tu as fait ce que tu as pu. J'ai toujours su que ça finirait comme ça. Bah, je survivrai. Vous avez répondu à tous les chefs d'accusation ? Oui, votre honneur. Veuillez remettre les formulaires à l'huissier, la cour va en prendre connaissance. Va lire le verdict. Dans l'affaire opposant l'État de Californie à Raymond Bucquet et à Peggy McMartin Bucquet, nous, les jurés, après en avoir délibéré, déclarons les accusés Peggy McMartin Bucquet et Raymond Charles Bucquet non coupables. Des charges de viol sur les personnes de moins de 14 ans en violation de l'article 288C du Code pénal. C'est pas vrai! Ceci est votre verdict? Oui, votre honneur. Le verdict a-t-il été rendu à l'unanimité? Oui, votre honneur. Le ministère public souhaite-t-il connaître le vote du jury? La cour aimerait remercier les membres du jury pour leur participation dans cette affaire. Merci, merci, merci. Vous êtes content? Oui, oui, nous sommes ravis. Déclaration. Merci, merci, merci. J'imagine que vous êtes heureux. Évidemment, on est ravis. C'est merveilleux.
Monsieur Bequet, vous êtes bien sûr d'année. Monsieur Bequet. Merci. C'est fini. Je vous observais, je me demandais ce que vous pouviez penser. Comme ça a dû être dur pour vous. Je vous ai vu qu'essuyer une larme de temps en temps, mais ça ne vous est pas arrivé souvent. Oh, on a lu les carnets de votre mère. Cette école, c'était vraiment toute votre vie. Vous aimiez beaucoup les enfants. Je ne suis pas amère. Je n'ai pas été habituée à me morfondre. On a tout perdu. On se retrouve sans rien. Maman, on se retrouve sans rien. Vous pensez qu'ils risquent de faire appel contre cette décision? S'ils refont subir ça à ces enfants, il faudra les poursuivre pour cruauté mentale. Et je pense que tout le monde se dit que justice a été rendue. Aujourd'hui, l'affaire McMartin sur la sellette. Que s'est-il passé? N'y a-t-il plus de justice pour les enfants violés? Je n'arrive pas à le faire. Aujourd'hui, un jugement a bien été rendu, mais il n'y a pas eu de justice. Réveille-toi, Amérique. Il est temps de te réveiller. Nous nous trouvons devant une foule de parents en colère, pleins de rancœur. Malgré les photos pendant. Nous avons un réseau de parents dans toute l'Amérique. Ces gens devront payer leurs crimes. La frustration demeure au palais de justice. Ils doivent être punis pour ce que ces enfants ont vécu ou pour ce qu'ils devront endurer jusqu'à la fin de leur vie. Nous avons pris la décision de faire un second procès dans l'affaire McMartin. Merci d'être venu. Nous aimerions vous parler d'une chose qui, je crois, vous fera plaisir. Oui, Robin. Elle n'est plus sur l'affaire. Elle a demandé à être mutée à Santa Monica. C'est un rapport avec le fait que le New York Times a jugé son comportement idiot et certaines de ses remarques non professionnelles. Revenons-en à nos moutons, si vous le voulez bien. Nous voudrions épargner au comté les frais d'un nouveau procès. On a déjà beaucoup trop dépensé, alors si nous... Vous avez vu les cassettes. Vous avez enfin regardé ces fichues cassettes. Nous n'avons pas mis Rainer au courant. Cela ne va pas être facile, alors... C'est du baratin, ok? On ne serait pas ici si vous n'aviez pas parlé à Rainer. Il veut devenir attorney général. Si vous échouez cette fois, il va se ramasser. Alors, quel deal proposez-vous? Je vais être franc avec vous. Je vais m'arranger pour que Rainer accepte un compromis. Laissez-moi en parler à mon client. T'es pas obligé de plaider coupable. En fait, tu n'auras qu'à leur dire que t'acceptes le deal parce que ça me plaît de vous agréer. Une accusation pour chaque enfant et c'est tout. Du loup-garou ? Je devrais dire que je suis coupable ? Non, tu vas juste dire « j'accepte le deal parce que ça me plaît de vous agréer ». Ah oui ? C'est tout ? Il va falloir que tu ailles déposer à la police. Déposer comme quoi ? Comme délinquant sexuel. T'as envie de remettre ça sur le tapis ? Je sais pas si je préfère pas encore avoir un autre procès. Un autre procès? On n'a pas les moyens d'un autre procès, tu le sais bien. Là, tu parles pour ça toi. Ça n'est même pas la peine d'y penser, je suis fatigué, j'en ai plein le cul, je suis au bout du rouleau. Et toi non plus, tu n'en peux plus. Je ne savais pas que tu voulais te mettre un flingue sur la tempe. Un peu plus, ouais. Tu te pendais avec tes lacets de chaussures. Alors arrête avec ton procès. Oui, j'ai pensé à me suicider. C'est vrai, mais je n'ai jamais, pas une fois, même pas en plein marasme. Non, écoute-moi, Danny. Pas une fois, je n'ai pensé à leur donner ce que tu me demandes de leur donner. Jamais, jamais je ne mettrai sur un bout de papier que je suis pédophile. Jamais. À mon avis, ça va bientôt être notre chant du cygne. S'il n'a pas déjà chanté. Merci. Hey, comment ça va, Danny? Comment est-ce qu'on sent la veille d'un second procès? Ça va, ouais, ça va être au petit oignon. Le procureur m'a proposé un deal. Ray. Il veut que je le tire d'affaire en retournant en tournée. Attends une minute. Non, et toi, attends une minute. Attendez une minute. Prenez vos crayons. Le c'est malin. J'avais promis à Martinez que ça ne s'ébruiterait pas. C'est trop tard. Monsieur Martinez, avez-vous proposé un deal à Raymond Bequet? Enfin, ça ne va pas la tête. Je ne ferai jamais de deal avec Raymond Bequet, quoi qu'il arrive. Merci. Au revoir. Vas-y. Il raconte des salades. Quoi? J'ai dit, il raconte des salades. Tourne. Monsieur Martinez est un menteur. Nous avions pris rendez-vous et j'ai enregistré notre entrevue. Vous aimeriez peut-être l'entendre? Je vais être franc avec vous. Je vais m'arranger pour que Rainer accepte un compromis. Merci.
Merci à toi. T'avais raison. En fin de compte, le signe ne poussera pas la chansonnette. Mesdames et messieurs les jurés, avez-vous rendu votre verdict? Nous avons été incapables de nous accorder sur 9 des chefs d'accusation. La situation est inextricable et nous n'arriverons jamais à une conclusion. L'affaire McMartin est enfin terminée après 7 ans, 15 millions de dollars et sans qu'aucune condamnation soit intervenue. C'est bizarre, hein? 7 ans et là, en une minute, c'est fini. Ça fait tout drôle. Non. C'est pas terminé pour moi, mais pas pour moi, non. Quand une pareille chose vous arrive, eh bien, on refait pas sa vie comme ça. Pas aussi facilement, pas à mon âge. Il reste si peu de temps. Ne nous prenez pas pour des ingrats, Danny. Nous vous sommes très reconnaissants. Je sais bien. Mais... cette histoire nous hantera toujours. Mais non, les gens ont la mémoire courte. Vous verrez, il y a d'autres histoires à lire en première page, d'autres émissions de télé. Les gens oublient. Regarde, les violeurs d'enfants. Violeurs d'enfants! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas, hein? Viens me le dire. Allez, en face, un peu. Violeurs d'enfants, vous voyez? Ils n'oublient pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ils se fichent que ça nous ait gâché l'existence. Pas seulement la nôtre, celle des parents. Des enfants? Pourquoi Dieu n'a pas empêché ça? Oh non, je t'en prie, n'accuse pas Dieu. Ce qui nous est arrivé, c'est la faute des gens. Et Dieu n'a rien à y voir. Qui avait le temps de s'arrêter et d'écouter Dieu, hein? Ils sont beaucoup trop occupés à regarder sans cesse la télévision. To the love and to the start to my.
et in manis grota.